Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue donc à cette Republic of Fighters pour le tournoi Soul Calibur 5. Et nous allons commencer tout de suite avec un match qui va opposer Kayane à Milo. Et donc c'est bon, vous pouvez y aller. On est parti. On est parti. Donc Kayane qui est avec son personnage Viola. Voilà. Et Milo qui va jouer Siegfried. Donc un match-up un petit peu à l'avantage de Kayane quand même. Un petit peu, oui. Un tout petit peu. Si peu, si peu. Et donc effectivement, on a un problème de son du jeu. Voilà, c'est bon. Le son est apparu. Très bien. Donc le match est lancé hein, directement. On a Viola qui va beaucoup presser voilà. Parce qu'elle est très rapide et elle a de nombreux combos et pressings qu'elle peut attaquer consécutivement très régulièrement. Ouais. Tandis que Siegfried va faire petit. Par contre, quand il va toucher, ça il va... Voilà, exactement. Ça va être globalement l'idée du match. Ouais. Donc un personnage qui va être plutôt agressif et puis voilà. Un personnage qui va faire qui un coup de temps en temps, de zoning. Voilà, zoning et puis un bon coup en counter et essayer que ça touche et puis si ça marche. Voilà. Bah. Et ben c'est fini. Donc voilà, premier round pour Milo qui a bien entamé ce match. Alors là, avec Viola, il y a un problème qui arrive très rapidement, c'est que sa barre se remplit au voilà. Fur et à mesure qu'elle tape et donc elle va acquérir du brave edge, c'est ce qui permet de faire les coups en jaune, on voit. Et là, le personnage devient très puissant. Et là, Milo a bien géré son affaire. Il a réussi à bloquer. Et grâce à une petite chop, l'emporter. Ça lui fait 2 rounds à 0. Donc c'est en 3 matchs gagnants. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, en 3 matchs gagnants. Donc là, 2 rounds pour Milo. Par contre, là, il va prendre combo. Voilà. Donc là, c'est le principe de Viola. Hein. Elle va mettre un petit coup. On décolle dans les airs. Un et puis petit après, step d'air et on reste un petit moment. Un moment en launcher. Voilà, ouais. À attendre le sol. Et donc voilà, les coups de Viola, on va le voir, il utilise beaucoup de bravettes, donc cette barre jaune, et c'est ça qui la rend très puissante. Donc là, voilà, hein, il a pris un seul coup, et depuis le début, il ne peut strictement rien faire. Hein, là, il est obligé voilà. d'endurer tout ce qui lui arrive. Et voilà. Le combo a l'avantage non seulement d'être très puissant, mais en plus de recharger cette fameuse barre de bravettes, ce qui fait que lorsqu'elle a terminé, eh ben, elle va pouvoir recommencer. Voilà. Et donc, plus le match c'est avance, ça, plus ça devient à son avantage, voilà, c'est reparti. Et donc, malheureusement pour Milo, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il gagne le plus vite possible. Donc, il a pris les deux premiers rounds, c'est très bien joué de sa part, parce que c'était là où Viola était. Eh ben, oui, c'était un peu plus faible. Exactement, ouais. Un peu plus faible. Par contre, quand on continue, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile. Et donc là, il va falloir qu'il s'accroche. Zone, voilà, et il attend un whiff punish en fait. Et c'est très bien joué de sa part. Ouais. Alors là, il est bloqué, il va falloir faire des bons choix. Donc, malheureusement, il va se prendre l'imparable. Ouais, elle ne lui laisse aucun choix. Elle lui met l'imparable, comme ça c'est réglé. 2 à 2. Alors Viola n'a plus de barre, ça va être. Siegfried en a deux. Voilà, donc là ça va être effectivement avantage à Milo. Il va falloir qu'il puisse bien utiliser son avantage. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Là, elle récupère une barre de brave edge. Elle peut tout à fait revenir et remonter le match à partir de maintenant. Et là, ça va être serré. Ah, s'il place son combo, oui. Il est bon, il a gagné. Voilà, c'est bon. Et un c'est zéro pour gagné. Milo. 1-0 pour Milo. Bien joué. Est-ce que les joueurs changent de stage ? Alors, Milo doit proposer à son adversaire effectivement de changer si elle le souhaite. Et non, Kayane décide de rester, donc on va continuer dans ce stage-là. Agression directe. Alors, elle presse beaucoup, là, Kayane, sur la relevée de Milo. Et on le voit, ça fait 2-3 fois, Milo se relève avec son coup en B, là, voilà, ouais, celui-ci. Ouais, voilà, qui fait beaucoup de dégâts oui. En counter. Oui. Et donc là, c'est peut-être un défaut de sa part, elle devrait faire plus attention sur la relevée. Parce que Milo a tendance à utiliser ce coup à très bon escient, puisque ça tout marche. Tout à fait, bien sûr, ouais. Mais c'est un peu risqué. Donc, si elle se précipite moins, peut-être. Eh ben ouais, non, encore vrai. Une fois. Exactement la même chose. Et donc. Bon, elle a. Ouais, elle a pas trop l'avantage dans ce round. Elle va prendre une chop derrière. Ça ne va pas faire tomber parce qu'il n'était pas bien axé par rapport au bord. Une deuxième chop et on est à un round partout. Donc le match est bien lancé là. Par contre, les barres, c'est aussi 1-1. Mais c'est beaucoup plus avantageux pour Viola. Donc normalement, si encore une fois elle prend beaucoup le de relevé B, hein. Ouais, ça fait 2-3 fois. Il a bien joué sur le mix-up. Mais par contre, il a raté son combo. Oui, malheureusement. Malheureusement, Milo, tu rates tes combos et ça va pas t'aider. Hein, rater les combos à aucun moment, ça n'apporte d'avantage. Ça, il faut le savoir. Donc là, par contre, on a un combo qui va sans doute être réussi. Voilà, on continue. Combo simple et pressing à suivre. Mais c'est là que ça va se jouer maintenant. Avant. J'ai oh et bien joué de la part de Milo. Elle avait plus de barres, ne pouvait plus G.I. Merci pour ces encouragements ouais, en faire public. Alors on a des gens qui font un peu les malins dans le public, mais lorsqu'ils toujours, tout à l'heure
face à la caméra, voilà, ils seront beaucoup. Ça sera plus marrant pour nous. Ah, exactement, tout à fait. Ouais. Nous attendons avec impatience les matchs à venir de ce jeune monsieur. Donc, avantage pour KNE, hein, très largement, dans ce round qui est gagné. Ça fait 2 rounds à 2. Et là, elle a encore de la barre. Donc maintenant, il faut vraiment qu'elle puisse capitaliser là-dessus. Voilà. Et c'est le cas. Et donc là, avec un petit peu de chance, elle va pouvoir placer son combo complet, oui, reprendre de la barre. Voilà, comme ça va être le cas maintenant. Et donc elle a de nouveau un bravette. Mais c'est full bar ce truc. Et ben, bah, on est pas loin, on y arrive tout doucement. Et là, c'est très bien joué. Donc, bien joué. Donc 1-1. Et c'est Milo qui décide s'il veut changer ou garder. Milo veut changer. Alors effectivement, avec Siegfried, hein, quand on est dos au mur, on n'a pas l'option backdash. Et donc on est bien. On est dos au mur, dans tout le sens du terme. On ne peut plus reculer. Et donc très difficile de reprendre la moindre priorité, puisque tous les coups de Siegfried sont très lents comparé à ceux duo-là qui sont eux très rapides. Donc là forcément. Alors, on est reparti. Donc ils ont changé de niveau, on est quand même dans le même au final. Oui. Ça c'est intéressant à noter. Alors, petit pressing, voilà, combo, ça passe. Et en bas, et c'est bien. Et il a raté son combo, je ne sais pas pourquoi, mais il me gagne quand même. Oui, enfin, il aurait fait combo, il aurait gagné, hein. C'était une autre option, mais. C'est trop facile. Il veut du pour défi, Milo. Déjà, ouais. C'est Viola, et en plus. Alors, ça fait encore un relevé B, on en est quand même au 5e relevé B que Franck a gagné, là, il va falloir être plus rigoureuse là-dessus. Et là, ça. Non, pas du tout. Le joli tech jump là, saut magnifique, qui est passé par-dessus le 2A. Et Milo finalement qui prend l'ascendant là, puisqu'on est à un match partout et 2 rounds à 0 pour Milo. Mais il y a deux barres du côté du joueur. Effectivement, il y a deux barres du côté du joueur, donc il a gagné les rounds qui étaient les plus faciles pour lui, les premiers. C'est ça. Et à partir de maintenant, ça se corse. Tout devient compliqué. Comme on le voit tout de suite, voilà, ouverture de garde. Là, elle peut taper dans sa CE en fait, c'est le principe de sa CE. Alors tout à fait, la CE en fait bloque l'adversaire. L'adversaire est bloqué dans l'espèce de sphère qui tournoie. Ouais. Et pendant que l'adversaire est bloqué, elle peut taper soit avec un mid, soit avec un low. D'accord. Il faut choisir sa garde. Et si elle fait le bon choix, elle peut placer un combo derrière, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et donc c'est plutôt pratique. C'est une très très bonne utilisation de la CE, effectivement. Alors, moitié de barre, Siegfried, ça va quand même assez vite au niveau des dégâts. Ouh, jolie esquive. Alors, il a encore, il bourre à la relevée, Milo. Oui. C'est un peu, ça fait quand même 6 fois là. Alors, par contre, il va prendre 2 dos. Chop, là, il va se diriger tout doucement vers la sortie, exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Hop, c'est là, terminé. On y va. Voilà. Bien joué. Donc, un combo en bonnet du forme. Ben oui, c'était un combo de Viola. Il est tout ce qu'il y a de plus régulier. Les concepteurs du jeu ont décidé que c'était quelque chose de tout à fait. Alors, très est-ce bon que ça va payer? Oui. Il a plus de barre du tout, mais ça valait le coup. Par contre, ouais. Par contre, normalement, c'est plus ou moins la fin. C'est plus ou moins fini. Est-ce qu'elle va faire... Non, elle ne fait pas. Non, elle le fait pas en entier. C'est pas terminé. Elle le finit quand même avec un petit coup en plus à la fin. 2-1. Milo, qu'est-ce qu'il fait? Et Milo. Effectivement, il y a des gros plans de Milo qui apparaissent sur l'écran derrière nous. Et c'est une grande souffrance de prendre les combos de Viola et de ne rien pouvoir faire du tout. Voilà, c'est l'impuissance en fait, quelque part. C'est ça, c'est ça. Si on voulait donner un visage à l'impuissance, ce serait celui-là, effectivement. Alors encore un relevé B, c'est ça qui va peut-être le sauver Milo, parce que bien joué. Joli mix-up, bien joué. Il a fait une phase en 3 temps. Voilà. Alors bon, évidemment, il aurait pu taper n'importe quand dedans et c'était plié, mais il a réussi à la faire friser et donc le bon choix à l'arrivée. Exactement. Alors combo, donc ça va pas faire toute la barre, mais ça va quand même faire pas mal de dégâts. Et elle va récupérer de la barre. Voilà, alors pas une barre complète, mais quand même une demi-barre, c'est déjà sympa. Et Milo qui touche toujours en counter, c'est systématique. Ouais. Il fait vraiment des choix qui marchent bien, quoi. On peut pas lui reprocher. Alors il se fait gratter, là il aimerait bien pouvoir faire quelque chose, mais malheureusement il est trop lent avec son personnage. Il va faire un relevé B, voilà on l'a vu, il s'était fait counter. Ouais. Back kick. Ouh. Ah oui, oh là là, oh, là, bravo. Là. 3B, bravo. 3B, passage en stance avant et mind game mid.
Et Milo c'est stands qui sont tellement dangereux. Ah, y a il n'a pas beaucoup le droit de. Il a pas beaucoup le droit de passer en stands. Non, stands c'est très très difficile parce qu'il n'a pas de garde. Hein. Ça, c'est ouais, c'est quand même un petit désavantage. Hein. Petit. Ouais. Oh là 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 là. Combo. Ouh, non. Alors oui. C'est Siegfried. Zaza Whiff. Pas d'inquiétude. Ouais. Pas d'inquiétude. Là c'est terminé. Voilà. Pam. Elle va récupérer la barre, ce qui lui permettra d'en avoir pour le match suivant. Et donc Milo a quand même l'avantage hein, en termes de round et de match. Oui. Donc il va falloir que là elle soit très très rigoureuse Kayane. Donc voilà, parfait. Elle presse directement, elle ne le laisse pas se relever avec son relevé D. C'est la bonne solution face au jeu de Milo. Hein. Ouais. Voilà, qui continue. Hein. Milo il est quand même assez fidèle à. Il est fidèle à lui-même. Oui, oui. Et ses relevés B. Bah c'est ça, il joue effectivement. C'est ce oh là qu'il là fait. Et alors ça fait 2-3 fois qu'il rate son combo, il devrait peut-être faire plus simple. Ouais, faire le 3B tout simplement. Oh ! Alors ça c'est très 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 dangereux là. Aïe 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 aïe. Et Milo qui s'en est très bien. On a l'air contrôle quand on est dans sorti. Le vide, ça sert plus à rien. 2-2, donc c'est en 3 matchs gagnants, donc là on arrive au match décisif. On change plus de niveau, on change plus rien, on reste. Et c'est là que ça va se passer, c'est là que ça va se passer. Oh il a fait encore. Un saut kick. Au lieu de se relever en 3D, c'est relevé en kick. Petite nouveauté. Voilà. Il est plein de surprises. Combo, Viola charge sa barre. Voilà, sa barre est pleine. Alors là, Milo, maintenant, il faut qu'il avance et qu'il faut qu'il fasse le bon choix. C'est. Ouh oui, c'est plié. Oh bien là, là 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 là. Milo il donne tout ce qu'il a à chaque fois. Il finit vraiment plus de vie, plus de barre, plus rien. Plus il rien. Tout, ouais, tout ouais. Le temps. Mais en même temps, il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix. Alors Milo il se permet de taunt. Alors là, ouh. Milo qui est la foule qui crie. Parce que Milo s'est vraiment permis quelque chose qui va sans doute lui coûter cher. Cher, oui. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès d'ailleurs. C'est, à mon avis, c'était. C'était un pour peu s'assurer, pour s'assurer les faveurs du public, c'est très bien joué. Oui, oui, en mais revanche, en termes pour de gagner gameplay, le match, c'est pas forcément idéal. Surtout qu'il a énervé Kayane dans l'histoire et donc ça se passe pas très très bien là. C'est quand même le match décisif Milo, hein. Je veux pas t'affoler mais... Milo il fait mi-bar quand même. Hein. Ouais ouais. Milo il se permet vraiment des choses et, ah, et ouais, ça ouais. Paye. Et ça paye. Et ça paye. Et il y va 3B, 3B, il continue. 3B, 3B. Ouais, il a un bon 3B il en continue, même temps. Il continue, il voilà. Continue. Dans les pieds. Les pieds, et Milo a, on lui a un dit les pieds. Round de la victoire. Alors c'est tout à fait incroyable, hein. Milo qui est en train de dominer Kayane, c'est vraiment ouais, une ouais, ouais. Très très c'est inattendu. Surprise. Ah oui, ouais. Complètement inattendu. Hein. Et là, il va prendre le gros combo, il et va voilà. Prendre deux dos, elle a pas fait la chop. Ça va pas sortir a priori. Non, ça ne sort pas. Par contre, ah là, là, elle va là, le oui, tuer. Elle va le tuer. Elle va le tuer. Et donc, Milo va récupérer de la barre, il va avoir l'avantage sur le round décisif. Round décisif. Round décisif. Alors. Voilà. Alors, le relevé B. Elle a claqué sa barre. Elle n'a oui, plus de barre. Oui, joli step. La Kayane qui est en désavantage. Oh là là. Oh là là. Très bon choix de sa part. C'est très difficile à partir de maintenant. Oui, oui, oui. Clairement. Aïe, aïe, et aïe, le relevé aïe, B aïe, qui aïe, passe aïe. Encore. Et c'est terminé. Et c'est Milo. Bien joué. Et c'est Milo qui l'emporte. Oui, c'est un petit bouton. Victoire de Milo. 3 à 2. Bien joué à Milo. Très très grosse surprise, très très grosse surprise. Ah, il a super bien géré son match, ouais. Le Siegfried de Milo qui bat la Viola de Kayane, alors ça, c'est magnifique. La première sur premier match, première surprise. Hein. Voilà. Donc comme ça, c'est très très bien. Et Milo qui dit tier que la tier list, il voilà. S'est quand même permis de faire une taunt au milieu du match. Ah oui, le en plus, et en plus. Ça, Milo, attention. Hein. C'est magnifique, vraiment. Ce sera déformé, amplifié, raconté. Hein. Voilà. Aucun problème là-dessus. On oui, pourra voilà. Raconter après. Donc bah, Milo qui avance, hein, qui passe à l'étape suivante, tandis que Kayane va en loser bracket. Et elle va donc... Non, c'est un match de poule encore là. Ça, c'était un match c'était de poule. C'était un match de poule. Ah ben bah, voilà, très bien, donc je ne le savais pas. C'est le dernier, voilà, on fait l'arme. Donc c'était le dernier match des poules. Voilà. Et ben bah, donc je ne sais pas du tout ce que ça donc veut. Donc là, on est en suspense je encore. Sais pas ce que on ça ne implique. Sait pas qui va sortir de qu'est-ce cette poule. Qu'est-ce que encore. Ça implique. Parce que là, c'est un match de poule, donc ça peut avoir une grosse influence. Absolument. Alors, y a peut-être, parce qu'il n'y a pas de loser bracket en poule, hein, faut le savoir. Ça. Absolument. C'est... Alors, vous êtes le premier à jouer, monsieur. Vous n'avez pas été invité. Vous avez votre badge, monsieur, s'il vous plaît. Contrôle de police. Contrôle de papier. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît.
Oui, bah, ah, ça hein, se voit, oui. On sait tout ça. On sait. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Alors là, on fait des petits calculs d'apothicaire. Voilà. Avec un McDo, quand même. Donc ça, oui, je ne oui, sais oui, pas oui. si ça aide au calcul ou pas. Six. Alors, on me dit Quesona contre Lopez va être le premier match. Donc, d'accord. Quesona est parti chercher son pad et Lopez s'avance. Donc Lopez, bon, bah, comment décrire ce joueur ? Talentueux, j'ai envie de dire. Hein. Puisqu'il m'a battu, il est forcément talentueux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est quand même assez cohérent. Tout à fait. Donc bah, je vais être assez neutre dans ce match et je vais soutenir Lopez. Voilà. Voilà. Tout simplement. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a interdiction de boire et de manger dans cet amphithéâtre. N'est-ce pas, Deus ? Donc, pour toutes les personnes qui ont à boire et à manger, ben, vous êtes priés de ne pas le faire ici et de le faire ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc, je rappelle cette petite règle de bienséance. Voilà. À tous les membres présents. Du public et aux participants. Il y en a un drapeau qui est agité au fond de la salle et ça, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, est-ce que je ne vois quel rien. Est l'intérêt c'est, de cette chose, effectivement. C'est une banque, c'est qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la pub pour qui ? Je ne comprends pas. Très bien, mais ils sont... Très bien, mais amusez-vous bien, en tout cas. Ils se soutiennent. Vous avez des membres de votre équipe participant à ce tournoi ? Street Fighter ? Ah, c'est pas maintenant. Bien. Donc c'est des, une équipe de Street Fighter, mais qui vient déjà chauffer la salle. C'est bien, non, c'est bien, s'imprégner de l'ambiance, effectivement, très très bien. J'espère qu'on vous rémunère bien. Donc pour le tournoi Street Fighter, sachez que les supporters sont déjà là. Nous n'avons pas encore les joueurs, mais nous avons déjà les supporters. C'est une première étape. Alors, Lopez donc avec son t-shirt de Superman, puisque bah simplement. Il a oublié d'enlever son costume avant de venir. Il a sauvé 2-3 personnes. Voilà, et puis il est venu après rapidement pour un tournoi. Et à côté de lui, on a Quesona qui a un costume de. Pff, voilà. De lui-même. Il est en cosplay de lui-même. Il a, voilà. Et donc, Lopez va jouer Maxi, comme à son habitude. Hein, c'est son personnage fétiche. Quesona, quant à lui, va jouer pas trop close. Il a eu plusieurs personnages, mais en ce moment, c'est son personnage de prédilection. Donc, en avant-match, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux joueurs ? Ma foi, que le match-up n'est pas très équilibré là non plus. Non. Oui, non, complet. Alors, complet. Notre ami Quesona nous raconte n'importe quoi. Évidemment, tout le monde le sait. Patroclo, c'est donc un personnage très très puissant qui a. Voilà. Qui a un net avantage sur. Sur Maxi, Maxi, en tout cas, oui. Exactement, tout à fait. Et en termes, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les joueurs ? Ils sont tous les deux assez connus, hein, quand même. Voilà, ils ont oui. De nombreux tournois à leurs actifs. Tout à fait. Plusieurs victoires pour Quesona. Lopez a également des victoires. Oui. Plutôt, on nous dit, des victoires nordiques. Hein, c'est un homme du froid. C'est ça. Il vient de loin. Et quand il fait le déplacement, c'est pas pour rien. Exactement. Voilà. Donc, la première étape, ça va être de tester les boutons. Alors, ils vont simplement check, choisir voilà. Un personnage et puis vérifier que les touches correspondent bien à ce qu'ils veulent. Prends le costume 2, voilà, c'est bien. Non, il prend le costume 1. Ah, aïe, c'est aïe, juste, aïe, aïe. Juste pour t'embêter, ça. Je suppose. Hein, je suppose. Ouais. Bon, on va leur demander de reset le score également, ce sera plus facile. Oui. Alors, donc nous allons maintenant tester les boutons. Voilà. Une phase du jeu particulièrement intéressante hein, pour le oui, public. Effectivement, oui, effectivement. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Et pour nous aussi, c'est très intéressant à commenter, hein, on peut le voir. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Bah, on a vu par exemple que Lopez a laissé uniquement les boutons A, B, Kick et G. Donc il n'a que les 4 boutons base. Il n'a absolument aucun raccourci sur sa configuration. D'accord. Et il joue au stick. Il joue au stick, voilà. Donc ça veut dire qu'il veut sans doute éviter, lorsqu'il appuie sur un bouton, de faire des manips qu'il n'a pas envie. Donc, tout enlève, à fait. Tout il a bien raison. Hein. Quant à Quesona, il joue à la manette, donc il met des raccourcis un peu à droite et à gauche. Voilà. Lopez, je peux vous demander de reset le score ? Reset le score, oui. Merci beaucoup. Super. Aucune. Ah bah non, il n'y a pas de raison. Il hein. n'y a pas de raison, hein, à première vue. Oui, mais non, mais parce que forcément, il vient de voler 400 km pour venir ici en moins de 2 secondes. Deus forcément, voudrait dire quelque chose, je crois. Regarde. Ah, d'accord. Deus propose de regarder alors, éventuellement. Lopez, si tu veux, Deus peut faire un check de l'écran, si tu le souhaites. Il peut vérifier, il peut faire un check de l'écran, si tu souhaites. Voilà, Quesona de toute façon ne connaît pas ce jeu, donc il ne sait non, pas. Non, il ne connaît pas.
Il est là pour. À quoi ça correspond. Il est là pour donner du crédit à la communauté sous lequel il vit, apparemment. Des amis, sans doute. C'est ça. Ça laguait. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on a Deus qui est là, qui vient. Si vous avez un problème chez vous, à la maison, vous savez pas comment le régler, vous appelez Deus. Appelez il vous Deus. Règle le problème, voilà. Par exemple, vous n'êtes pas inscrit au tournoi, vous venez quand même, vous n'avez pas de place, vous demandez à Deus. Ça c'est bon, il sait faire. Vous savez pas où dormir ce soir ? Demandez à Deus, il n'y a pas de problème. Pour tout. Tous les problèmes, c'est Deus, la solution. Voilà, bon ben on va commencer. Allez, hein, on est parti. Donc, Lopez contre Quesona. Oui, ils ont vérifié leur bouton. Ok, super. Donc là, on est sur un match cette fois-ci de... Là, on est dans les 16, dans les top 16. Hein. Top 16, voilà. Voilà. Donc le 6-6-B qui passe directement. Alors, bon, starter, c'est le meilleur coup de pas trop tôt. C'est ça, le starter du diable. Très régulièrement. Exactement. En mix-up, etc. Alors, il y a peut-être un moyen de faire un peu de choses là-dessus. Just guard, oui. Alors, c'est... Bon. Le début est un peu difficile. Je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques, voilà. Quesona est très bien rentré dans le match, par contre. Ouais, ouais. Parce que je sais pas trop ce qu'il va faire concrètement. Contre Patroclus. C'est assez difficile. Il peut pas presser, il peut pas zoner non plus. Non, il est dans cette situation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Attendre le whiff punish principalement. Oui, whiff punish, puis faire des petits pressings comme il le fait là, avec des coups en un coup, deux coups maximum. Oui, voilà, mais c'est ça. Va pas faire, en fait, c'est dommage. Il a un perso qui est très, très technique, mais il peut pas le jouer en beaucoup de coups là pour le coup. Et ben là il ne peut pas du tout déployer sa technique, hein, voilà. Parce que sinon il va se faire sanctionner immédiatement. Donc il va être obligé de se restreindre. Et même quand il se restreint, comme on le voit, il va prendre des petites choses qui vont bien faire la différence. C'est ça. Et Quesona qui a un coup de la victoire. Et non. Par contre la punition était très discutable. Oh, double KO. Double KO, c'est très très rare. C'est très très rare, c'est il faut le souligner. Deux rounds à 1 pour Quesona. Il fait un 2-3-6-A qui permet d'empêcher justement les steps de Maxi. Ah oui, 3B, d'accord. CE, c'est ring out. Et c'est ring out, oui, tout à fait. Au match suivant. Voilà, bon. Alors. Donc, est-ce qu'on change de stage? On va vite le savoir. Oui, oui. Lopez décide de changer. Il a bien raison puisque Maxi n'est pas trop, trop optimum non. Pour les ring out. Non, non. En revanche, il a des walls intéressants. Il a des bons walls, oui. Donc, il a plutôt tendance à préférer les stages avec des murs. Avec des murs. Voilà. Comme là. Murs, ouais. Ça, c'est pas trop mal. Et on repart, alors ça va très vite, hein. Malheureusement. Ah ouais, malheureusement, oui. Deux, trois fois, c'est ça, et c'est, ouais, c'est radical. Voilà, voilà. Alors là, par oui, contre, oui. Il aurait pu punir. Il a raté une punition sur le Patroclus. D'accord. Maxi peut punir. Avec 6 à plus B, je pense. Alors là, c'est le Patroclus qui est tenté en tech. Ah oui, ah bah ça. Et un petit c'est vrai que ce starter est génial quand même. Alors là, c'est un peu à sens unique. Hein. Oui. J'ose pas trop, faire des commentaires, mais malheureusement, mon petit protégé est en train de se prendre la sauce quand même. Effectivement. Non, mais génial dans l'absolu, je veux dire. Voilà. Sans prendre de parti. Non, non. Ah, ça c'est bien puni. Bah, malheureusement, ça lui coûte une barre de bravette et ça ne oui. rattrape pas du tout son retard. Effectivement. Donc il va falloir qu'il réussisse encore 2, 3, 4, 5 fois pour réussir à l'emporter, tandis que pour. Ça passe. Et ça bien passe. Joué. Bien joué, bien joué. Donc là, il a tenté un pressing qui a trouvé l'ouverture et ça a bien marché. Ouais. Donc bon, c'est du tout double hein, dans ces cas-là. Et là, il peut. Ah, il punit en chop. C'est pas une chop extraordinaire. Enfin, c'est pas une punition extraordinaire. Non, effectivement. Oh, ça c'était bien. Joli. Bien joué effectivement pour faire la chop de côté. Ouais. Et là, il va le regretter. Ouh, Quesona. Ah là là. Mais les kicks de Patroclus sont démoniaques, non? Là c'était un des. Oui, c'était... mais j'ai vu un kick tout à l'heure. Oui, en bas là. Oui, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, j'en ai bien. C'est malheureusement une arme de prédilection de ce personnage contre laquelle on peut pas lutter. D'accord. Un peu de persos peuvent lutter. Ouais, et ouais. Maxi, en fait, ne peut pas. Oui, voilà. Donc là, il s'en sort bien. Lopez, il fait 2-3 fois le bon choix sur des mids qui lui permettent de prendre l'avantage. Il va falloir qu'il soit quand même rigoureux parce qu'il a plus de brave edge. Ouh, il a réussi à trouver un counter hit. Quesona revient. Quesona va devoir tout donner parce que là il est. Sinon. Eh non. Wow. Il a reculé, il a voulu faire quelque chose et il en va. Crie, hein. Et Lopez qui égalise. Alors, on peut citer des petites anecdotes hein, sur les joueurs. Pas, oui. Notamment Quesona qui est connu pour destruction de matériel. Voilà, oui.
Une personne donc, expressive. Une personne expressive, effectivement. Donc, sachez que cette télé qui a été vérifiée sans lag avant, voilà. Peut-être que d'ici quelques minutes, elle lagra. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, il faut envisager cette possibilité. Bon. Pressing, bien joué. Ah, quand tu continues de presser après son 6D plus 4, ça, à mon avis, c'est pas un bon choix. Ouais. Et après, ça, on devrait tempérer un petit peu. Oui, tout à fait. Parce que les dégâts sont pas à son avantage. Et là, chez Sona, on a bien profité. Ça, c'est bien, il presse. Là, il peut encore presser. Mais ça garde, c'est bien. On respecte les priorités. Il a touché en backdash. 2B de pas trop close qui empêche les steps. Ouh, aïe, 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 il a tenté une just guard, à mon avis. Il oui. a tenté de just guard, je pense, effectivement. Un round pour Lopez. Alors, Kessona qui presse. Kessona qui reprend la prio et qui en profite. Et là, voilà. Il met son 6-6. Donc là, il a vraiment un gros avantage. En fait, pour simplifier, on va dire que dès que Patroclos passe un 6-6-B dans le round est vraiment à son avantage. Quoi. C'est ça. Pour revenir après derrière, il faut faire énormément de choix. C'est difficile. Voilà. On le voit, là, Lopez a fait deux bons choix d'affilée et il est quand même encore pas revenu à hauteur de Patroclos. Donc. Tout ça pour seul 6-6-B en début de round. Alors, on conseille à notre ami Lopez de viser les pieds. Ah, on a l'équipe de Kessona qui est très très concentrée, on voit le capitaine là qui regarde attentivement et qui voit que la barre de vie de Patroclos descend. Il n'est pas content. Non mais il ne doute pas. Voilà, il savait, il était confiant. Depuis le début il était confiant. Il fait semblant. Et deux rounds pour Kessona. Donc là c'est un peu critique, on est à 1-1. Celui qui va gagner ce match, c'est pas tout un petit bug. Ce qui se passe, non, effectivement. On va pas tenter de donner. Je crois qu'on ne peut pas à un moment donné. Il a pris. C'est joli. Dans son backdash, il aurait pas dû tenter ça. Ah, il presse pas derrière. C'est marrant, le coup. Aïe, il s'est vraiment risqué. Ça, c'est malheureux. Hein. Alors, ça, c'est le problème de Maxi. Hein. Si on fait le bon choix, on fait beaucoup de dégâts. Voilà. Si l'adversaire a décidé de bloquer lorsqu'on a fait le choix, c'est la sanction. C'est la sanction immédiate. Et 2-1. Kessona prend les devants. Voilà. Alors, c'est lui qui avait gagné le premier round aussi. Donc, Lopez était déjà revenu. Oui. Lopez peut encore revenir. Ouais, il prend le temps. C'est bien ça, entre les matchs de prendre le temps. Il a raison, oui. Il médite un petit peu. Il n'y a pas d'urgence. Il réfléchit à ce qu'il a fait perdre ou gagner. Ouais. Voilà. On a vu notamment un round où il avait quasiment match gagné puis il s'est fait voler sur un hangout. Donc il va falloir tout à fait, plus prudent lorsqu'il y a l'avantage, pas se lancer à court terme. Voyons le stage déjà. Ah, toujours il va y avoir des hangouts. Il y aura toujours des hangouts. C'est plutôt à l'avantage de Patroclos. Le haki des rois. Très bien. On nous dit que Kessona a le haki des rois pour ceux qui connaissent One Piece. On va voir si cet avantage va être décisif ou pas. Ouh, belle phase. Et Lopez, combo, basique, dans les pieds, il fait des variantes. Presse beaucoup Lopez. Bah oui, ouais, faut qu'il choisisse. Hein, c'est vrai, après il faut qu'il choisisse. Il faut l'adversaire à ouvrir sa garde. Ouais, là il a fait... Ça passe, c'est bien. Et là il a l'avantage, comment est-ce qu'il va le gérer? C'est bien, il prend pas trop de risques, faire des petits coups. Ouais, il joue safe, il a raison, Oui, tout parce qu'il risquait quand même le ring out à tout moment. Voilà, c'est il a ça. Pas parce que là, c'est vraiment pas le bon stage pour lui. Exactement. Il n'y a pas de mur et il n'y a que des ring out. Là, donc, bon. C'est 100% de son défaut. Hein. C'est ça. Alors, bon précis. Ouh, ça touche. Et c'est là qu'il prend beaucoup de coups en backdash. Il se fait beaucoup de coups dans ses backdash. Ah, il a mis la chope en coup. Ouais. Et encore le kick. Mais c'est kick qui vous laisse complètement étourdi. Voilà, on est complètement. Oh là là, quel dommage. Il a raté. Il a raté. Ouh. Oh, c'est bien. Eh, c'est beau. C'est bien joué de sa part. J'ai délaissé ici de plus K. Le cri de bête de Kessona. C'est Kessona qui en prime. Parce que c'est lui qui s'est fait voler le match. Voilà. C'est l'effet inverse du match précédent. Et là vraiment il a tout donné Lopez, il a claqué sa barre, il a fait son délai et le ring out, c'était ce qu'il fallait faire, hein. C'est vraiment bien joué, le bon choix. Ouh, la garde est rouge, la garde est rouge, Kessona en difficulté, oh là là. Alors là attention, Kessona le recul. C'est peut-être le moment du pitcher. Oui.
Il y va encore. La chope des chopes, bon c'est bon. On est reparti. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh, oh un petit vide. Bon. C'est bien joué. Lopez revient à 2-2. 2-2 et de manière très convaincante. Hein. Tout à fait. 3 rounds à 0. Donc là, on assiste à des matchs plein de suspense en tout cas. Hein. Ah ben, depuis tout à l'heure. Moment, effectivement, on peut dire que. C'est très serré. Alors, Kessona annonce qu'il va gagner. Voilà. Alors. Dernier match entre les deux joueurs. Maxi, pas trop close. On va se diriger vers un nouveau niveau. C'est marrant que Kessona ait changé de niveau. J'avoue, oui, puisque c'était. C'était plutôt à son clairement avantage. À son avantage. Ouais, ouais. Mais bon, comme il a pris un ring out lui aussi. Voilà, oui. Peut-être qu'il s'est dit que. Maxi. Simplement pour temporiser, pour gagner un peu de temps. Oui, voilà, exactement. Et nous finirons donc ce match sur le bateau de Maxi à domicile, il me semble, là, non ? Alors je sais plus si il me semble que c'est le stage de Maxi, Maxi, non ? Peut-être bien. Quelqu'un confirme, oui ? C'est ça, merci. Effectivement. Maxi à domicile. Bon. On n'a pas beaucoup de supporters à part les miettes, mais ça peut effectivement quand même faire la différence. Ben voilà. On connaît bien la structure du bateau, la proue, la poupe, c'est ça. À peu près où se situe l'un et l'autre. On voit les tonneaux derrière de Biette. Voilà, on voit les tonneaux. Prêt pour fêter la victoire. Très très bon coup de Maxi. Et encore une fois, alors à chaque fois, oui, c'est vrai qu'il se fait toujours avoir en backdash. Ouais. Il a réussi à trouver une finition de high qui lui permet de remporter le round, mais c'était moins bien. Bon pressing, très bon pressing. Et là par contre, il va prendre cher. Oh, Kessona qui rate. 6-6B. C'est bien, il a esquivé le coup de Maxi. Il a standing des plus kick. Aïe aïe aïe. Oh, c'était faible ça. Oui. C'était ah faible, là. Ça va lui coûter cher parce que derrière Kessona rate aussi. Ah oui. Ça rate de tous les côtés. On est dans le dernier round. Oh, ils se ratent, ils font n'importe quoi. Je pense qu'ils ont un peu la pression, les deux là. Grosse pression. Ils font des punitions qui ne marchent pas, qui sont complètement safe et qui ne sont pas punies. Donc. C'est pas forcément. Là, on peut pas dire que ce soit du gros jeu. C'est vraiment la pression qui joue là. C'est là, ça. C'est des launchers CE, on y va. Oui, voilà. Hein. Alors, 2 barres pour Lopez, 0 pour Patroclos, c'est le moment. De toute façon, il a plus le choix, faut tout donner. Maintenant. Et là, je pense que. Oh là là. Et non, bébé. Et avec la taunt en prime. Victoire de Kessona. Kessona, 3-2. Donc avance, va en 8ème de finale, tandis que bien joué. Lopez va en loser bracket. Alors, on me dit que le prochain match sera Kira Dems contre B-Boy Schizo. Voilà. Cervantes Omega Pirate, voilà. C'est ça. Donc là, on arrive sur du personnage déjà de très très haut niveau. Voilà, donc les match-ups sont un peu plus équilibrés à partir de maintenant. Voilà, tout à fait. On n'a plus de Siegfried ou de Maxi. Voilà. Donc Kira qui va être à gauche, B-Boy Schizo qui va être à droite. Et je crois que c'est un des premiers tournois de B-Boy Schizo. Troisième tournoi. Ouais, c'est un joueur très récent en tournoi et donc qui se hisse directement face au meilleur. Bravo. Avec une Omega Pira qui a fait parler d'elle. Et on va voir si elle va encore faire parler d'elle face à Kira. Alors pas de son actuellement effectivement. Mais pour les boutons, je pense que ça va aller. Alors par contre, voilà, à mon avis, il faut changer le compte. Kira qui est habitué à ce type de manœuvre. Gère ça comme un chef, les Xbox. Voilà, c'est très pratique. C'est intuitif, exactement. Surtout lorsqu'on a 3 manettes branchées avec 2 joueurs. Ça, en général, c'est le top. Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, alors, on a récupéré les personnages. B-Boy va pouvoir jouer. Chacun choisit son perso. Le chapeau face au bouclier. Faites vos jeux. Hein.
On va régler les boutons dans un premier temps. Donc encore une fois, une phrase très intéressante à commenter. Voilà. Donc je te laisse dire qu'est-ce que tu penses de cette configuration de Kira. Je la trouve. Alors, en raccourci. Donc lui, il joue à la manette. Hein, déjà, A plus B, B plus K, ce sont les deux auto-GI de Cervantes. D'accord. Donc, on a remarqué. Pour les raccourcis de Kira. Quant à B-Boy. Quant à B-Boy, ouais. Il nous met A plus B. Ah, voilà, d'accord. C'est Kira. Ah, donc les auto-GI. Pardon. Alors, très bien. Désolé, autant pour nous. Donc Kira met A plus K, A plus B quand même. Un petit Brave Edge et un B plus G, la chope en B, effectivement. Oui, c'est sympa. Pas facile d'appuyer avec. Ça vient peut-être des anciens jeux, non ? Une commande d'anciens jeux ? Non, parce qu'en fait, c'est pas facile d'appuyer sur croix et triangle en même temps. Effectivement. Un seul pouce. C'est pas trop pratique. C'est vrai. Un petit raccourci, c'est grandement le problème. Oh, il y a un petit custo de Cervantes. À qui est cette console ? Ah, mais c'est autorisé ça ? Oui, si c'est le costume de base et que c'est une couleur qui ont changé, oui. Si c'est un custo, non. A priori, c'est un costume de base avec des couleurs différentes. Oui, voilà. C'est tout à fait légal. Et donc, on est parti. Alors, Kira Dems contre B-Boy Schizo. Cervantes Omega Kira. Alors, j'ai pas du tout de prédiction à faire dans ça. Moi non plus, là, vraiment. On a mal écrit les pseudos. Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin. Quelle mauvaise langue. Non mais bon, Happy, oui, hein, bon, ça suffit de faire pas un scrotum, monsieur. Bon, on revient sur le match. Alors, voilà, B-Boy Schizo qui a pris l'avantage très rapidement parce qu'il a sûrement dû punir 2-3 trucs. Voilà, puisque Omega Pira est une punisseuse. Exactement, c'est sa grande spécialité. Là, par exemple, elle peut punir. Et backdash de Kira qui sera instantanément puni. Alors Cervantes a un grand avantage contre la plupart des personnages, c'est qu'il peut backdasher. Oui, c'est qu'il a un très bon backdash, oui. Exactement, sans doute le meilleur du jeu paraît-il. Oui. Très bon step également, oui, et puis surtout il a son 3D, qui a la particularité de toucher à l'autre bout de la carte, pour mettre un combo de 80. Range. Oui, oui, parce que... Oui. Et donc c'est un gros avantage. Le problème, c'est qu'entre Omega Pira, elle va souvent aller le chercher dans ses backdash avec son DNSB. Qui fait un bon pushback. Exactement, pushback, qui oui. fait un gros pushback et où Cervantes va pas du tout pouvoir la punir. Donc ça, c'est très très embêtant pour Cervantes. Voilà, on le voit là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, par contre, il n'est pas totalement dénué d'avantages, hein, notre ami Cervantes. Non, au corps à corps, il a à peu près toute la panoplie à sa disposition. Backkick qui n'a pas été puni par B-Boy. Il aurait pu pointer cette affaire. Ah, oui. A plus B de Kira, un round partout. Encore une fois, je pense que ça va être serré. Oui. Glisser BA, une des spécialités de Kira, c'est lui qui a mis qui a ce coup à la mode. Ouais, tout à fait, ouais. c'est lui qui a mis ce coup à la mode. D'accord. Il était un petit peu inutilisé avant que Kira se mette à l'exploiter. Mm-hmm. Et puis, c'est devenu une de ses marques de fabrique. Alors le problème c'est que c'est un coup qui va faire des auto-GI sur les mids. Ouais. Et Omega Pira elle a très peu de... Elle a son mid c'est son ah oui, son oui, effectivement. Et par contre elle a son DNSA, le coup de bouclier, oui. C'est un high. Et donc c'est souvent ça la réponse que va faire B-Boy Schizo face à Kira. Deux rounds à 1. Alors on continue. Voilà, 4B Bravet, 2 Kira, le combo derrière. Le 2 à plus B en pressing au sol. Aïe, aïe. Une petite phase. Ah, il a raté son 1 à B. Il aurait pu faire un just frame dessus. Ah oui, oui, oui. Il a en train de frapper son timing. Ça arrive. Les deux persos sont stun. Mais là, il y a un bel avantage pour Kira. D'ailleurs, B-Boy Schizo essaye de passer son. C'est le DNS, c'est ça ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour, et c'est eux, bah, victoire de malheureusement, Kira. Malheureusement. Un match à 0 pour Kira. Et B-Boy qui décide de rester. Je crois que c'est le stage d'Omega Pira d'ailleurs. Qui reste à la maison. DCAB, beaucoup de DCAB de la part de Kira pour empêcher son adversaire de reculer ou d'avancer. Ou d'avancer ou de stepper, hein, oui, un peu tout, en fait, pour l'empêcher. Ah, c'est anti-step aussi. Voilà, ça fait à peu près tout. Bon. C'est pour l'empêcher de bouger. Par contre, si jamais il est bloqué, il pourrait punir. Ah, très mais voilà. Bien joué de la part de B-Boy. Il nous a fait un joli. Just guard. La chope était trop courte. Bébé en punition. Victoire de B-Boy. 1 round 0. Et B-Boy, voilà. Il commence par une DNSB. Et donc là,
Là, c'est un peu l'équivalent de Patroclus, le 6-6 de Patroclus, c'est un peu l'équivalent du DNFB de notre ami Omega Pyra. Sauf que c'est pas un starter. Sauf que c'est pas un starter. Mais en termes de dégâts, c'est quand même très avantageux. C'est pas mal. Oui, en Just Frame, oui. Oui, tout à fait. Et donc, alors là, il nous a fait une petite phase. Big Boy, il a fait un low qui laisse un petit peu en avantage, suivi d'un mid qui stun. Kira tape en même temps. Donc, Kira est stun, Big Boy n'est pas stun. C'est-à-dire qu'il a pu le terminer au sol. Et un manque de respect des priorités de Kira lui a coûté le round. Voilà. Là, c'était pas safe. On rate sa punition, Big Boy. Oui. Aïe, ouf. Alors là, il a tenté de punir. On a vu le glisser AB de Cervantes. Il a fait le kick. Le tentative de punition qui a merdé. Ouais. Alors là, il faut que ce soit rigoureux, B-Boy, parce que s'il ne punit pas le glisser AB de Cervantes, ça va être très difficile pour la suite. Surtout qu'il a réussi à le juste garder tout à l'heure, tout donc à on fait. A vu qu'il bah, arrivait quand même à l'anticiper. Ouais, ouais. Oh, il est carrément... Passé en dessous. Ouais, ouais, ouais. Passé en dessous du saut de Cervantes. Donc Chop, s'il fait le bon choix, c'est gagné. Il ne fait pas le bon choix. Ah mince. Kira qui va chercher en low. Pressing de Kira. Chop de choper. CE. Et est-ce que non, oui, il peut se baisser. Baisser. Peut se baisser. Mm-hmm. On peut se baisser après le flash. Si on a rien, si on a rien fait sur, c'est que c'est foutu. Sur le CE. Time's up. Time's up. Et oui. On a des... le pauvre Cervantes n'était pas content. Et non. 1-1. Kira s'est mis à attaquer trop tard. B-Boy avait trop l'avantage et donc il a gagné le temps. Ça arrive. C'est pas extrêmement. Non, fréquent, c'est peu fréquent effectivement sur ce calibre. Tout le 5. Voilà. Alors on presse, on est quand même sur du jeu très agressif des deux côtés. Hein, oui, il oui, n'y a oui. pas trop de phase de. C'est de zoning longue distance, mais pas vraiment du zoning longue distance. Non, non, effectivement. C'est bien fini. Kira, par contre, il est bien, il est rigoureux. Ouais, il se rend coup pour coup. C'est pas ça, vraiment, oui. On n'a pas trouvé de. C'est difficile d'ouvrir la garde de l'autre. Exactement, ouais. Ouais. Ils sont très très prudents quant au coup de tout à fait, pour ouais, ouvrir ouais. la garde, et une fois qu'elle est ouverte, par contre, là, oui. là ils y vont. Ce petit un kick qui est d'Omega qui est très sympa. Ouais, Kira qui zone avec des petits coups. En attendant que son adversaire avance. En fait, si on donne un coup et que l'adversaire avance dans le coup, bah, il se le prend. Ouais, c'est exactement ouais. ce que fait Kira. Il donne des petits coups dans le vide ouais. en attendant que son adversaire fonce dessus. Moitié de barre. Moitié de barre. C'est vrai que ça fait très mal. Moitié ça aussi, de barre dit, également. Oui, oui. Voilà. Et pressing à suivre. Et bien joué. Oh, Kira qui avait mieux à faire que ça. Ouh. Cette chope est encore déchoppée. Ça déchoppée, ouais. Saut kick. Ah, point bien ouais, il s'est baissé sur la chope et il a bien joué. 1-1. C'est vraiment des matchs. Très dynamiques, très intéressants. Ouais, ouais, ils prennent le temps, ils attendent. Une fois que couverture est faite, ils y vont. Donc, c'est des rythmes très décousus où ça peut attendre un oui, petit moment oui, et oui, soudainement ça s'accélère. Très bien joué encore ouais, une fois. Bien fini. Je garde bien le 3-3B là, notre ami Duo Esquivo. C'est une très bonne option vers la victoire. Hein, ça, Cervantes. Et voilà, Cervantes a backdashé. Omega Pirate a fait son DNFG. Directement. Il s'est fait piquer. Ah, des petits coups. Il utilise beaucoup Kira le cancel de l'imparable pour faire BT et BP. Voilà, oui, oui. C'est un très bon coup ça. Il va presser, B-Boy. Ah, c'est des combos simples. Kira, il prend pas de risque. Je bah, garde, ce sera suivi de rien. Oui. Il a rien fait, il s'attendait peut-être à autre chose, je ne sais pas où il a raté. Ça devait être une just guard réaction comme ça. Peut-être bien. Je ne sais pas. Bah, voilà, ça, là en revanche, guard punition. C'est une just guard punition. Pressing, encore une fois. Il le fait beaucoup sur la relevée de son adversaire. Par oui. contre, je ne sais pas si c'est forcément bon, parce qu'il suffit de rester au sol et on évite. Fallait que révise en même temps. Hein. Oui, tout simplement. Alors, avantage Big Boy. Là, il s'y punissait, il aurait gagné, il n'a pas puni. Kira peut revenir, Kira va revenir et Kira revient. Deux rounds à deux. C'est chaud. Bon. Les barres. Ah, il a backdashé. Il prend le combo. Kira n'a pas pu le faire en entier, mais ça fait quand même déjà mal. Ouais. Ouh, 2-2-B. Oui, TC. Aïe, 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 aïe. Le backstage. Eh oui. Ouh oh, là c'est là terminé. Et c'est terminé. Punition de Chop. Bien CE. 2-3-6-A. CE. Victoire de B-Boy. Cette stunts qui passe en dessous de tout en fait. Hein. Ah ben, c'est génial. Hein. Tous les highs quand on est en DNS, même les mid effectivement. Ouais, ouais.
C'est un très 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 gros avantage de Omega Pyra. Pour ne pas dire la meilleure. Voilà, exactement. Donc B-Boy qui prend l'avantage. Deux matchs à un pour B-Boy. Pyra qui commence à rater. Ça c'est pas bon avec Cervantes quand tu commences à rater. C'est pas nouveau. Faire des choses un petit peu plus simples éventuellement pour reprendre la confiance. En bas, voilà, combo très simple. Et une chop, c'est bien joué de sa part. Oh, oh là là, le B qui est passé, c'est. Parce qu'il a tapé en fait, il était en train de stepper Kira, il a fait un A ou un B, je ne sais pas, et du coup il s'est réaxé automatiquement dans le coup d'Omega Pyra. Ce qui a valu la défaite. Alors, un AB. J'avance du recul, donc là on est en phase de zoning, hein, les deux se regardent, qui va ouvrir la garde, comment. Voilà, c'est B-Boy, il presse et maintenant il va enchaîner. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il ne s'arrête pas, il et va ça aller va faire où jusqu'au oh là bout, là. Il va encore en mettre un derrière. Voilà. Oh là 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 là. Voilà c'est ça, très belle c'est vraiment phase, des ouais, ouais. Une phase de zoning dans laquelle on ne sent qu'il se passe rien du tout et dès que la garde est ouverte, directement. C'est 4-4 kick, ça passe. Beau retour là, on très, s'y attendait très pas. Très bien joué. Il a pris des risques Kira. Ouais, il a, clairement, il... mais. Mais ça paye. Soul Calibur 5 permet ce genre de, c'est ça, de joyeuseté. Voilà, voilà. Bien bloqué, bien puni. Oh, oh Just là, Guard, là, Just là, Guard. Là. Par contre, il faut se baisser effectivement sur le deuxième si on Just Guard le premier. Hein. Ouf, ça va faire mal. Ouais. 2-2B de Omega Pyra qui est un excellent point. Et qui va peut-être faire la différence, puisque là on est quand même à 2 rounds à 1. Oui. Et donc notre ami B-Boy Schizo, il est à 1 round de sa victoire là. Effectivement. À 1 round d'avancée dans le tournoi. En zone, en zone. On prend le temps. Ah, en tout cas, il a pas bon mind game des deux côtés. Tout hein. à fait, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. C'est assez rigoureux là, ils n'osent pas faire les fous, ils ont bien raison. Hein. Ouais, ouais. Et dès que dès qu'on va ouvrir la garde, là, ouais. C'est et fini. À nouveau le c'est fini là enfin fait ouais, la il a, feinte. Il a fait la feinte, mais cette fois-ci elle a marché. Donc, c'est ça. Le combo derrière. Bon, deux barres partout, deux rounds partout. Ouais, ça va être brutal. Ouais. Ça va être très brutal. Ah, ça va être brutal. Moitié de barre déjà. Bon. Une phase de Cervantes, moitié de barre. Voilà. Mais ça peut, oui, ça peut marcher de l'autre côté aussi. Ouh, il a tapé dedans. Aïe aïe aïe. Une voilà. Phase Omega Pyra, moitié de barre également, donc bah, voilà. Le prochain qui touche à gagner. Hein, bon. Et on se baisse, oui. Et aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien joué. Victoire de Kira, 2 à 2. On va au match décisif. Et B-Boy, il dit on continue. Sur le même stand. Alors on voit également tout à l'heure, il y avait des joueurs, Lopez et Kishina, qui avaient mis des casques, qui étaient bien dans l'ambiance et tout. Là, Kira B-Boy, ils veulent jouer, quoi. Hein. Voilà. Ils sont venus pour jouer. Ils disent, voilà, c'est bon, lance, revanche, revanche, on y va. On n'a pas le temps. Ouais. c'est l'usine, un peu. Exactement. Ils sont pressés d'en découdre. Sans doute. On remarque également que c'est les joueurs de Maxi qui demandent à vérifier le lag, tandis que les joueurs de Cervantes et d'Omega Pyra s'en foutent. Oui, oh, t'es Just Frame, oui, oh. Voilà. Qu'est-ce que c'est Bravo. Alors, Kira. 1 round à 0. Glisser à B. Si, ça suit de B. Qui empêche pas mal de choses. Ah, saut bien, un peu discutable. Baki qui va presser. Il va presser, notre ami B-Boy. Belle esquive. Bien, belle position sur le glisser BA. Ah, alors, toujours ce 4B Bravage hein, qui est une véritable saloperie. DNSB. Il peut pas punir donc il a tenté un lot, c'était un bon choix de sa part. Et là, ouh là là. Oh il punit pas. Et ça va peut-être ah là là. C'est chaud. Rigoureux jusqu'au bout. Voilà. Bout. 3 kicks de Pyra Omega qui a pris le dessus. Il y a de bons kicks aussi. Hein. Ouais ouais, tout à fait. On voit en fin de match qu'ils ne prennent pas trop de risques, hein. Ils sont vraiment sur non, effectivement, coup, c'est très très rigoureux comme jeu. Hein. Ouais. C'est à ça qu'on assiste quand il y a deux personnages comme ça très forts de chaque côté. Oui, hein. Oui, ça va restreindre énormément le jeu de l'autre. Tout à fait. Forcément, ouais. On ne peut pas se permettre exactement. Tout ce qu'il ferait normalement. Oh là 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 là, 3B rien, c'est le meilleur 3B rien. Gros 3B que j'ai vu de ma part.
Le plus rentable, oui. Alors, si. Bah, Cervantes, c'est très fort, mais c'est vrai que 3 Bériens. 3 Bériens, c'est nul. Et là, il va faire 3 Bériens. Oh ! Oh, il aurait pu pousser ! Oh là 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 là, il y a eu. Il y a eu plein de choses là qui sont tout à fait discutables. Alors là. Oh, ah c'est là bien là, mais c'est qu'est-ce dommage, qu'il nous fait, B-Boy? Ah, B-Boy, il stresse là, hein. Il faudrait qu'il. Faut revenir au calme, B-Boy. Sinon, ça va être difficile. Ouais, punition, pas de punition, de la punition. Chop en B, Baki, compresse au sol, c'est bon, voilà. B-Boy est de retour. Oh chop là de là dos, c'est pas terminé. Et ça pique. Mais la garde peut péter, non. Voilà. Alors. Bien joué. La garde d'Omega Pyra est dans le rouge, voilà. Mais par contre Omega Pyra a deux économisé. Barres. Oui, oui. Donc là, dangereuse, dangereuse. Contrairement à tout à l'heure, ils vont vraiment taper tous les deux. Ah, il a pas puni Pyra. Aïe, il balance des 4B Braven. Ouais, ouais. Je ne sais plus quoi faire, voilà. Aidez-moi, aidez-moi. Oh, ça panique, oh, ça panique. Ah oui, alors du coup, là, où ça presse. Le sens du mot panique, c'est maintenant. C'est ça. Il n'y a pas de règles. Définition y a du plus dictionnaire. De règles. Oui. Oh là là. Oui, oh regardez là 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 regardez là 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 la panique. Ce que ça peut voilà. Donner, c'est magnifique. Voilà. Voilà la panique. La panique. Ah, sublime. Alors. La volonté propre des doigts. Il est intéressant, lorsque vous êtes en panique, d'avoir un critical edge en 10 frames, oui, imparable, voilà. Et qui vous donne une invulnérabilité. C'est vrai que ça c'est bien. Ça peut servir. Ça peut servir. Et qui fait toute la map. Ça peut, ça peut changer la donne. Victoire de Kira 3 à 2. Bien joué. Dans des situations qui seront très discutables. Bien. Eh bien, le public se fait de plus en plus nombreux. Hein. Je pense oui, que oui, tout le oui. Monde vient assister aux phases finales. Je vois à peu près tous les joueurs de Soul Calibur qui sont là. À peu près, oui. Alors, quel est le match suivant? Alors, je vois... Kisame, déjà. Kisame. Maxou. Eh ben voilà, Maxou contre Kisame. Donc, Voldo contre Cervantes à nouveau, tout c'est à fait, ça? Tout à fait. Le deuxième Cervantes à avoir franchi le voilà. Cap des poules face au seul Voldo. Au seul, seul Voldo du tournoi et de France. Oui, oui, oui. Il n'y en a plus tellement bien des Voldo. Hein. Non, ah oui, 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 il y en a un autre. Ah oui. Ah, tout à fait. Voilà, oui, il y a Vélus, c'est vrai, il y a Vélus. Bon, 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 on retire tout, Vélus, voilà. Alors, Kisame qui nous vient de Suisse et Maxou qui a fait un long chemin. Qui nous vient de Bordeaux. Et les deux ont décidé de s'affronter à Paris. Voilà. Voilà. C'était à mi-chemin, peut-être. Ils oui, dit, je ne sais pas. Ils se sont dit, bon, donnons-nous rendez-vous là. Alors, que sais-tu des joueurs qui ont passé les poules? Est-ce que tu peux nous faire un petit listing éventuellement, toi qui as suivi dans le détail? Alors, j'ai tout oublié, ma foi, mais ah, très bien, je vais essayer. Hmm. On veut bien, oui, Deus. Je me souviens de voilà. Mes poules, oui. Pourquoi pas? Faisons cela. Si vous avez non, mais chose, on l'a dit. Voilà, si vous avez Deus. Quelque chose, demandez à Deus. Donc là, on se posait la question des poules. On va passer le micro à Deus immédiatement. Pour savoir qui a passé les poules, Deus. Alors, on a bah, ceux que vous avez vu déjà passer, là, Kessona, Kiv, vous avez aussi Kira, E-Boy, on a Angel. Qui a passé les poules avec il a rencontré Thierry, je crois qu'il a gagné son match justement. D'accord. Et donc il va rencontrer Gold de Chad qui lui aussi a passé les poules. Ouais, on est toujours en winner. On a. On a Kisame qui est toujours là. On a Ryukozan. Et Ryukozan a perdu contre Happy. Très bien. Happy qui va jouer contre Kessona, justement. On a Minato qui a gagné contre Wabeke. Wabeke qui, justement, bah, est un peu un joueur surprise, hein, quand même, je trouve. Hein. On ne pensait pas, personnellement, je pense pas qu'on le voyait passer les poules. Mais bon, et le voilà. Et le voilà. Hein. C'est la surprise du tournoi, je pense. Et donc, voilà. Ensuite, après, Milo qui s'est retrouvé. On a aussi Milo
Alors, qu'est-ce que ça donnait sur la poule Milo Kayane? Là, on a juste vu le dernier match, mais. La poule Milo. Alors, on avait. C'était le dernier match de poule. C'était Golchad qui est sorti premier. Oui. Ensuite, je pense que le deuxième était Happy. Oui. Après, en troisième, nous avons eu Kira. D'accord. Après, ok. Merci pour ces précisions. On va reprendre le cours du direct. Avec Kizame Cervantes. Qui a sa capuche, intéressant. Ça, alors ça oui, il y a des joueurs qui ont des tics comme ça. Capuche contre lunettes. Moi j'ai un ami, il a son nez dans son col tout le temps. Dédicace à Yoromi. Hein. Très bien, très bien. Et donc, dans ce premier round a été remporté par Kizame. Face à Maxou et Kizame qui a l'avantage également. Et qui prend le deuxième round, 2-0. Donc ça va très très vite, hein. On était en train de demander quelque chose et là soudainement, on ne sait pas ce qui s'est passé. 2-0. Alors les personnages vont être bien, notamment Cervantes en termes de dégâts. Effectivement, ouais. Alors, mais bon, Voldo, c'est sympa aussi. C'est sympa en mix-up, c'est horrible. Voilà. Hein. Moi personnellement, je ne comprends strictement rien. Et oui, il te met toujours dans une situation où tu dois faire un choix. Voilà. Et c'est lui qui est en avantage, quoi. Oui. Ouais. Alors, on a des conseils en direct de Happy. Pour qu'ils aient on sait pas trop ce que ça vaut. Glisser AB. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que ça panique déjà, c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. qu'on peut paniquer dans tous les rounds. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche. À tout moment. C'est la seule chose qui est possible de faire à tout moment. Maxou qui presse et qui est revenu à 2 rounds à 1. Maxou qui fait des kicks. Des kicks low. Ah, punition, c'est bien. Il empêche d'avancer avec son petit 4A là. Ouais. Belle saloperie ce coup. Ce que je vois, ouais. Et il rate notre ami. Oh là 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 là. Ah là là. Oh là 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 là. Là. J'ai cru que. Ça ne sort pas. C'est trop loin. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Maxou qui punit et Maxou qui a l'avantage au pressing. Et comme tu le disais, les pressings de Voldo. C'est ça. C'est très difficile. Beaucoup de 4A de notre ami Maxou. Il aime bien être de dos. Oh là 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 là. Alors là, ce coup normalement on ne le voit jamais. Hein. Donc là c'était peut-être pour le montrer simplement. Il se passe des choses bizarres et c'est Maxou qui va l'emporter. Bien joué. 3 à 2. Kizame, je pense qu'il a paniqué. Il avait vraiment bien entamé ce match. Il avait un bel avantage et là, soudainement, il a un peu paniqué. Du coup, c'est victoire de Maxou. Alors par contre, Kizame, il réussit bien l'IGDR en punition des oui. Mais par contre, il ne fait pas le combo derrière. Il réussit pas le oui, c'est derrière. Dommage. C'est dommage, c'est très dommage. Et Maxou presse, il continue de presser. Voldo qui est super dangereux quand il est de dos, non? Tout à fait. Le dos, ouais, ça va être une de ses positions préférées. Voilà, voilà. Une course magnifique. De Maxou. Voilà, le combo est réussi cette fois-ci. Pressing à suivre. Pas mal. Ouais. Saut kick. Il y va, il presse, Kizame. Ah. Il a fait un joli just guard. Ah, il freeze. Il freeze, oui. Totalement. Ah oui, là. Aïe, aïe, aïe. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Petit souci. Qui va laisser le match à son adversaire, il a fait pause. Maxou qui dit que non. On va reprendre le match, on va reprendre le cours du match. Oui, ouais. Clairement, apparemment. Hein. T'as essayé d'être altruiste et ça a pas marché là. Bah, on peut remercier Maxou. Oui, de sa compréhension. Tu veux acheter son adversaire, apparemment, je ne sais pas. Alors là, c'est. Ah! Kizame qui prend ce match qui est soutenu par le public. Là, il y a besoin de soutien. Ouais, ouais, je oui, oui, oui. Lui donner un peu d'eau, je sais pas. Rami Kizame qui se met volontairement des handicaps. Oui! Il est trop fort pour tous les Français. Et bon, Max qui l'emporte. Un match un petit peu bizarre entre les deux joueurs.
effectivement. Pression. On en perd notre latin. Ah ben, je ne sais plus quoi dire. Oui, vraiment. Je te laisse, je te laisse la parole. Ah non, je... Volontiers. Ah, il a fait quelque chose, ouais. Ben voilà, c'est une bonne question. Mais je pense que... Victoire de Maxou. Victoire de Maxou, voilà. Et je pense qu'on va s'occuper un petit peu de Kisame. Lui laisser le temps de prendre de l'eau, se remettre de ses émotions. Oui, voilà, c'est pour ça. Nous avons Docteur Malek qui est ici. C'est bon, il va bien. Le patient va très bien. Voilà. Vous me ferez 10 IGDR en training, hein, matin, midi et soir. Voilà. Oui, effectivement. Et je pense que c'est la capuche. Ah, on a voilà, vu. Il fallait enlever la capuche, c'est il ça. Il a voulu jouer à Ezio et malheureusement... ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça, c'est pas... Allez, on y va. Allez, Kisame. Le public oui se réveille et encourage notre ami Kisame. Et son Cervantes. Ah non, il aurait dû faire un deuxième. 3B, 3B. Voilà. DA, cette fois-ci, c'est oh, ça sort, magnifique. Tout simplement. Voilà. Alors, Kisame qui enchaîne. Presse. Chop de Maxou. Pressing de Maxou. C'est bien joué. Oui. Tentative. Le pianet qui voulait passer par-dessus. Ça fait très mal à la garde, hein, Voldo. Ah ben c'est-à-dire que oui, soit il touche lors de ses pressings et ça va lui donner un avantage à la vie, soit il touche la garde et ça lui donne. Ça casse la garde. Ça casse les deux la garde. Cas, c'est tout bénef, ouais, ouais. Hop là, dans l'UGDR, enfin dans le 4 des bravettes. Intéressant. Hop. Et des petits combos de Voldo. Fait beaucoup de dégâts et il presse notre ami Maxime. Aïe, et ça va toucher et c'est gagné. Parfait. Deux rounds à 1 pour Maxou qui est bien engagé bien dans parti. Ce match. Oui, ouais, oui. Ouais. Il a vraiment pris l'avantage. Pressing à suivre. Bien joué sur ce kick. Et non. Ah là 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 là. Guard Impact 6-6 de Bravet. C'est expéditif. Une victoire de Maxou. Le Voldo du tournoi reste oui parmi nous oui, et oui continue sa progression. Kiv, Kiv, Kev. Allons, pas d'insultes pas... ici, hein. On se respecte. Oui, le monsieur au fond là-bas, on ne vous connaît pas bien. Venez, non. Venez donc ici. Venez nous montrer votre couvre-chef, monsieur. Voilà. Alors, il est en pleine discussion avec notre ami Wabeke. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Oui, alors qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Voilà encore, hein. Non, il parle, je pense qu'il parle salsa plutôt. Est-ce que tu penses du pas de danse numéro 32 Est-ce que Voldo danse quand même? Et voilà. Et ça, on ne dit pas assez souvent. Très bien. Donc les lunettes ont triomphé de la capuche. Voyons si elles pourront triompher du bonnet maintenant. Voilà. Les match-ups sont très intéressants par ici. Alors, ben, donc on va reprendre. On a du dossier là, apparemment, non? On prend les mêmes et on recommence, donc les persos vont pas changer. Il y a un seul joueur qui va changer. Ah oui, Kif joue à Cervantes, Cervantes en tournoi, d'accord. Tout à fait, tout à fait. J'étais pas au courant. Si, si, si. Donc on va juste voir les mêmes personnages. D'accord, bon. Juste des configs, encore une fois. Voilà, passionnante. Différent. Voilà. Donc on en est à 8e de finale, là. C'est un 8e de finale, voilà. 8e de finale entre Kif et Maxou. Alors je n'ai pas connaissance du tableau, donc normalement je ne peux pas annoncer les matchs à l'avance. Je les vois au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Voilà, c'est ça. Pour toute question, adressez-vous à Deus, hein, comme d'habitude. Comme toujours, voilà. Deus-sama. Est-ce qu'il va bien? Ouh. Oh là là. Deus en sait plus que les autres, apparemment. Alors, Maxou, Kiv, casque contre casque. Et on n'a pas de son parce que bah, Maxou et Kiv, il n'y a pas besoin nul, de son. Son.
Chop de dos. Alors, on voudrait du son, la technique, s'il vous plaît. Un petit peu de son du jeu. Voilà qui est mieux. Merci beaucoup. Pressing de Kiv avec voilà. Son Cervantes. 1AB. 6-6 kick de Maxou qui va chercher voilà. Le backdash. Glisser AB, suivi de glisser AB. Saut kick, ça passe. Donc on est sur quelque chose de très agressif. Oui, là, ça va très vite d'ailleurs, je ne comprends rien à ce qui se passe. Les deux joueurs sont très très agressifs. Oui. Whiff de Maxou, puni par Kiv avec pressing derrière. Il bloque le lot, il punit, il presse avec un 6-6 kick qui touche le backdash. Encore un 6-6 kick. Cette fois-ci, il fait des plus qui permet d'esquiver le 2A. Et Kiv qui met glisser AB, suivi de glisser AB. Ouh, le A, le simple A de Voldo. Qui lui a permis de toucher le saut. Et un kick pour aller chercher donc le ring out. 1 à 1 entre Kiv et Maxou. Jolie esquive de Maxou. Mais par contre, il n'y a pas de punition derrière. KB bravette de Kiv suivi de back kick pour prendre des dégâts. La chope de Voldo avec pressing à suivre. Un petit pressing, assez simple. Chope déchopé. 2A suivi de 2A. On se backdash avec Kiv. Hein. Bon, beaucoup de backdash forcément, c'est Cervantes. Oui, voilà, on en profite. Maxou qui fait les combos standards hein, de Voldo, mais il essaie beaucoup de se mettre de dos. Il va faire principalement les coups et les combos qui lui permettent de terminer de dos pour avoir accès à ses meilleurs coups. Voilà. 6-6B, 6-6B Ravet, double combo au sol. A plus on peut B pas déquer entre les deux On peut pas déquer entre les deux 6-6B Non, pas du tout. Ah d'accord, je ne savais pas. Et donc, voilà. Maxou qui prend ce deuxième round. Très très agressif. Hein. Aussi bien Kiv que Maxou, les deux avancent, Whiff et encore, Whiff c'est facile, c'est un combo très très simple, hein. 3 mètres de Puska, combo de base, chop de dos qui fait beaucoup de dégâts, qui va l'avantage, il va tranquillement, reste au milieu de terrain, il va pas prendre de risque, bien sûr, non. Il va prendre un coup mais ça suffira pas, hein. Maxou gagnera pas avec ça, voilà, Kiv se replace, et là, s'il y a un Whiff d'un côté ou de l'autre, mais il lâche rien, Maxou. Il lâche rien, il est 2A, voilà, c'est très bien. Très concentré. Des petits coups de la part de Kiv, c'est tout ce qu'il a besoin, il n'y a pas besoin de plus que voilà. Ça. Une chope et c'est bon, ça passe. Il a très bien fait de temporiser, même s'il se prend un combo, il est resté calme et ça lui a permis de gagner ce round 2-2. Dernier round entre les deux, deux barres de chaque côté. Cervantes peut utiliser ses barres assez rapidement grâce à des 4B gravettes. Oh, tech trap. Maxou qui s'est relevé. Alors, Kiv qui a raté son IGDR et là il le met dehors. Et là, il a raté. Il fallait faire 8 B plus K avant de faire ça pour le mettre dehors. C'était une phase bizarre aussi. Et 2 A plus B en bas. Combo. Non. Le A. Oh, chop en Oula, chop. 2 A pour reprendre la priorité. Chop en bien A. Joué. Ring out. Kiv qui gagne ce match. 3 rounds à 2. Maxou dit on garde tout le temps. J'en ai rien à battre. Il veut rien savoir, Maxou les stages ne l'intéressent pas. C'est il veut, ça. Il veut jouer. 3B, cette fois-ci le combo sera double IGDR. C'est celui qui fait le plus de dégâts en termes de combo de Cervantes, mais c'est également le plus difficile à faire. Alors, Maxou qui presse avec ses kicks au sol, chop, suivi d'une pressing. C'est ça qui est très intéressant avec le chop de Voldo. Toutes les deux sont suivies de pressing. Et victoire de Maxou qui a remporté. Son mind game sur le pressing à la relevée. Après ça chope. Beaucoup de 6-6 kick de Maxou qui va tenter de chercher tous les backdash de Kiv. Cette fois-ci ça n'a pas marché. Il prend le combo. Moitié de barre. Ça va très vite hein. Ça va très vite. Oui. Voilà. 1 à Just frame. IGDR, belle illustration. Raté, ça va très vite. Tout à fait. Et touché dans son backdash. Pressing à suivre. Il s'est bien relevé notre ami Kiv. Et la chope de dos, c'est dehors. Aïe, aïe, aïe. Kiv qui fait les bons choix, là, effectivement. 2 à 1 pour Cervantes. Kiv qui mène ce deuxième match. Joli Just Guard. Avec une punition qui va bien derrière. Maxou passe de dos. 6-6 kick. Toujours, il va essayer de faire le 6 kick. Oh, c'était joli, ça. Encore des Just Guard. Superbe Kiv, là. Vraiment, Just Guard. Beaucoup de glissés AB. Chop en B, effectivement, cette fois-ci, pour varier. Ça ne sortira pas, non, 3B derrière, en revanche. Là, ça touche. Oh là là. Il va presser derrière. Oh dommage. Et Kiv qui a pourquoi choisi pas, le mais... Guard Impact, mais c'était le mauvais choix. Maxou a attendu. Ouais. Il a été vigilant, il a attendu. Maxou qui s'en va avec ses clips, le Wi-Fi, ça lui permet de s'en aller.
Le petit coup de pied, ça c'est vraiment un sacré atout de Voldo. Ouais. Chope en A, qu'est-ce qu'il fait Maxou? Il presse encore. Aïe 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 aïe, Maxou, tu vas peut-être le regretter. Ah, pour punir la chope. Il va toucher le backdash. CE, kick, pressing à suivre. GI, double UGDR. Ouh là là là. Et 6-6-D. Il nous a fait rêver un peu là. Magnifique. Hein, magnifique, ouais. Magnifique. Triple UGDR. Qui a sorti le On aurait dit l'âme légendaire un peu. Le hein. Triple UGDR. Dans ce match contre Maxou. 2 à 0 pour Kiv. Maxou qui prend trop de risques à mon avis. Il presse tout le temps même quand il a l'avantage. Pressing. Ah non, il rate son UGDR. Il réussit le combo. Il n'y aura pas de vrai pressing derrière. Voilà. 1 AB. C'est pas en counter donc c'est pas trop dramatique. Ça va bien. 2 A pour reprendre la prio. 3 fois 6 B. Le saut kick de Kiv. Glisser AB qui est pas puni par Maxou. Glisser AB encore une fois. 3 fois 6 B. Aïe aïe aïe. Ring out. Bien joué Maxou qui est revenu. Qui est revenu. Il va beaucoup chercher le ring out Maxou avec son 3 fois 6 B. Ça va très vite et très loin. Back kick. On voit hein, tous les coups sont rendus. Hein, le moindre back kick, ouais, un 2 ouais. A en réponse, les pressings à suivre. Ils se connaissent bien, on dirait. Enfin, oui, oui, ils connaissent leur match. Tout à fait, ouais. Mm-hmm. Et Maxou, il a pressé maintenant. Et ça passe. Pressing mid. Aïe, 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 aïe. Mauvais choix de Kiv. Et 2 rounds pour Maxou. Encore 6-6 kick, toujours 6-6 kick. 3-3B. Cervantes. Il va chercher à gratter la gare et qu'est-ce qu'il nous fait cette fois-ci? Simple, il était un peu trop lent. C'est un peu trop lent. Glisser AB, il laisse pas passer la moindre ouverture. Glisser AB encore une fois. Tout est interrompu en glisser AB. Combo, pressing CE, pressing à suivre. C'est raté. Ouh! Alors un kick qui touche de manière assez bizarre. 3 rounds à 0. Maxou qui revient. Un match à deux. Kiv doit faire un choix. Et Kiv dit le même. On restera dans la forêt on de restera. Raphaël. Bon. 2-1 pour Kiv. Ouh, il a raté son 3 fois 6 B. Voilà. 6-6 B. Il a tenté un just guard sans doute qu'il a raté. Chope en B. Maxou qui se relève sur les chopes en B de Cervantes. Ouais, je comprends pas trop. Comment il fait? Surtout, il va le regretter tôt ou tard. Oui. 3 fois 6 B. 6 B Bravette trop tard. Punition sur le glissé AB. Maxou qui presse, qui presse, qui presse. Et qui va le regretter maintenant. Voilà. Aïe aïe aïe. Eh oui. Mmh. Eh oui. A trop pressé. Voilà. Il se fait toucher une fois et Cervantes ne pardonne pas. Un match pour Maxou, 2 pour Kiv. Nous avons un round pour Kiv actuellement. 6-6-B, 6-6-A. Maxou qui va chercher. Maxou qui presse très très agressif. Punition 3x6-B, 2x6-2 de Ravage. Le mur. Je relève. Pressing derrière. Un kick. Il a voulu taper après son un kick. Ça ne passe pas. C'est bien bloqué. Tentative et de chop à distance. Il esquive avec un step le 4-B Bravette. Glisser AB de la part de Kiv qui empêche toutes les avancées. Ouais, Maxou. Il a la prio. Il fait back kick pour terminer. Il a raison. Il prend pas de risque. Un round à 1 entre Kiv et Maxou dans ce quatrième match. Bas à pressing. Pressing bien bloqué. 4B Bravage. Oui. Cervantes qui trouve l'ouverture. Donc il prend les dégâts. Il a en plus un petit peu cassé la barre. Avantage pour Kiv. 6-6-B de Voldo. Pressing à suivre. Maxou qui peut revenir. C'est maintenant. Il rate son pressing. Il continue d'attaquer. Ça va lui coûter cher. Est-ce qu'il va pouvoir revenir Maxou? Il est en difficulté. Il faut qu'il fasse les bons choix plusieurs fois. Yo! Et c'est ce qu'il a fait. Il a touché Kiv dans son backdash. Et c'est 2 rounds à 1 pour Maxou. Maxou qui est bien revenu. En plus, il a la barre de Cervantes qui clignote. Oui, oui, oui. Dangereusement. Maxou, il est bien dans son round. Il faut qu'il soit vigilant et rigoureux. Tout du long, pressing à suivre. Repressing. Voilà, il touche au sol cette fois-ci. Kiv sait que s'il bloque, il risque de se faire... Aïe, 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 il a raté. Il a raté son IGDR. Ah, GI, IGDR, c'est très très risqué. Oh là là, et malheureusement, la barre est cassée. Et là... C'est terminé.
Ouais. Bien joué. Deux partout entre Maxou et Kiv. Match décisif entre les deux. Grosse agressivité des deux côtés. Ça peut aller dans les deux sens. Ça remonte les barres facilement. Ça va très vite et on garde le stage. Match très incertain entre les deux. Alors, shop en B. GDR et Maxou qui s'est encore relevé. Alors Kiv, il va falloir qu'il s'entraîne sur le GDR un tout petit peu plus tôt. Voilà. Et il va récolter sacré dégâts. Je crois, oui. Chop en B et c'est victoire de Kiv. Hop. Alors, un match pour Kiv. Un round pour Kiv, pardon. Un AB. C'est Just Guard. Non, pardon. Just Frame. Non, il fallait faire glisser AB. Chop déchoppé, Voldo peut déchopper de dos. Chop en A, Voldo au sol, pressing à suivre. Back kick, c'est bien esquivé de la part de Maxou. Et Maxou qui va presser, Maxou qui est dos au mur, il a plus de vie, il doit réussir. Il a raté. Eh oui. C'est terminé. Deux rounds à zéro pour Kiv. Maxou doit gagner trois rounds d'affilée. Voilà. Kiv doit être prudent et rigoureux. Et c'est fini. Aïe, c'est aïe, terminé. Aïe, oui. Victoire bien de Kiv. 3 à 2 face à Maxou. Kiv qui va en quart de finale avec son Cervantes. Maxou qui va rejoindre les loser brackets. Gold Shad a gagné contre Angel. Angel qui avait perdu son titre Gold, sans doute ça lui a joué des tours. Et donc Shad qui avance. Hein. Shad favori du tournoi pour certains, notamment pour lui-même. Il a annoncé, oui, que, voilà. Il a annoncé qu'il se sentait lui-même favori du tournoi. Donc ça c'est toujours intéressant. Happy contre Kezona. Match 100% Cosa Nostra. Voilà. Kira donne les conseils. Tu te couches au deuxième round. Tu te couches au deuxième round. Alors, Kesona contre Happy. D'un point de vue psychologique, je dirais que Kesona doit avoir l'avantage parce qu'il a quand même beaucoup battu Happy. Ils jouent très régulièrement ensemble. Voilà, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Kesona a souvent le dessus. Souvent, oui. Donc, psychologiquement, c'est vrai qu'il y a un petit ascendant. Ça joue. Ça doit dépendre de l'âge, tout ça, non ? Ça joue. Alors là, on donne les conseils. Kira qui dit à ses partenaires d'équipe, faites un peu de spectacle. Mais voilà, jeter des pads, ouais. Casser des télés. Casser des trucs. Kesona qui cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Un adaptateur. Sa tête. Alors, il ne faut pas passer devant la caméra, mon cher Kesona. Tu déranges tout le monde pour ton adaptateur. Voilà. Tu dois pas passer devant la caméra comme tu es en train de faire maintenant, en fait. Voilà. Tu vois, ça, tu n'es pas censé faire, en fait. C'est exactement ça que je te demandais de ne pas faire, tu vois. Ce que là, ça, là. Ça, ouais. Bon, il s'en fiche complètement. Il y en a strictement rien à fiche. Hein. Il est chez lui, Kesona. Merci beaucoup, hein, Kesona. Happy, tu me le défonces. Alors, donc on est en match de tournoi. On est en trois matchs gagnants, donc quels que soient les duels précédents entre les joueurs, là c'est un psychologique, tout peut arriver. Hein. Donc c'est Kesona le favori, hein, très clairement, mais Happy peut tout à fait l'emporter. Oui. C'est bon, vous avez votre matériel, on peut y aller. J'appelle ta maman, tu veux qu'elle te rapporte quelque chose? Alors, on branche les trucs et les machins. Dans l'autre sens, voilà. Hop. On s'installe. Ah, puis regarde son adversaire, mais ne branche pas son pad. Il faut qu'il soit joueur, en plus, c'est comme ça. Toute une magouille. Ne te laisse pas faire. Alors, je me permets, Happy, de te dire que ton adaptateur est en train de faire un petit rebord comme ça. À un moment, ça va tomber, ça va tirer la manette. Et tu vas perdre parce que tu auras fait start sans le faire exprès. Oui. Tu sais, maintenant, il n'y a plus le choix, apparemment. Quand tu seras dos au vide, mon vieux. Oui, voilà. Quand tu verras ton bonhomme en train de voler dans les airs, tu te reposeras la question. Alors,
Ah bah apparemment personne n'a jamais joué au jeu. Bon. Vous vous êtes probablement. Donc il faut changer de profil. Kessona, tu te déconnectes et reconnectes avec. Le profil adéquat. Ouais. C'est Azu, oui. Sans doute, oui. Oui, oui. Je suppose que Azu a le jeu, il a battu Happy la dernière fois. On balance des dossiers pendant ce temps-là. Mais c'est de votre faute aussi. Hein. Alors, écran noir, ça c'est intéressant. On charge. Voilà, voilà, une phase passionnante hein, du tournoi. Tout à fait, oui. Les prémices. Bon, on a déjà fait tout ça, hein, mon vieux, hein, avec les prémices. Voilà, t'es favori, on le sait, mais voilà. Personne n'est pour toi, tu vois, on veut tous que tu perdes. Voilà. On supporte Happy, pourtant on sait qu'il perd contre Azu. Bah, voilà, on est un peu le cul entre deux chaises, si tu veux. On a tout dit, hein. Mais on est, voilà. Ah, il y a des photos. On fait une photo des stars. Moment groupie. Aïe, 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 aïe. Du grand art. Du grand art. Des propos qui ne seront pas retransmis. Non, 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 non. Bien entendu. On garde ça pour nous, même si c'était très drôle. Non. Comme Street. Mais de quoi tu parles ? Oui, oui, voilà. Donc Kessona, pour le public, Kessona est en train de parler de Street of Rage. Si quelqu'un voit un quelconque rapport entre Soul Calibur, et ça n'a aucun sens. Cette personne ne sait pas ce qu'elle dit. Bon, on va pouvoir y aller ? Faites les boutons déjà ? Tu n'as pas... si, le son va venir tout à l'heure. Non, 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 tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois, le son est là. Ça, c'est fait. Tu vois, mon ami, le son est là. Il suffit de demander. Et le son vient à toi. Alors, on règle les boutons. Donc, voilà. Hein. Comme d'habitude, une phase passionnante du jeu. En plus, on l'a déjà eu, celle de Kessona. On connaît la config de Kessona, effectivement. On devrait peut-être les retenir. On peut faire un quiz. Un quiz de config. Ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce qu'il met sur R2 ? Qu'est-ce qu'il y a sur L1 ? Ouais, ça peut être ça. Bah on regardera et on la prochaine fois. Bah, je préfère regarder celle d'Happy parce que c'est pour le tour d'après comme ça. Oui, bah... Alors. Donc. Alors là, ils font semblant de tester. Genre, les voilà. Mecs, A plus B, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est la chope, voilà. Ouais, B plus K, ça marche. 2, 3, 6, B. Pourquoi ils testent 2, 3, 6, B, on sait pas. Voilà. Bon, allez. Kessona, pas trop close, contre Happy Yoshimitsu. Match à l'avantage de Kessona. Oui. Et le personnage pas trop close a également l'avantage de Yoshimitsu. Donc on va demander du soutien pour Happy, hein, s'il vous plaît. Happy, Happy, mouton. Voilà. Mouton. Ouais. C'est parti. Alors on y va. 6-6-B de Kessona, évidemment, c'est sans doute le meilleur coup du personnage, ça va revenir très fréquemment. Voilà. 6-B, un coup, je ne pensais pas qu'il serait utilisé face à Yoshimitsu, mais ça a l'air de bien fonctionner, ça lui bloque. Ça a l'air de bloquer plusieurs options. 6-6-B, toujours en pressing. Il avance, il met la chope. Allez, taunt. Kessona taunt beaucoup, mais c'est souvent, des phases qui lui permettent de faire un coup d'arrière. Oui, un petit cancel. Ouais, exactement, il va faire taunt et cancel avec quelque chose. Ouais. Et derrière, il va prendre. Et il se bouffe un ring out. Happy qui a bien assuré son affaire. Donc Happy, pour l'emporter, il va simplement falloir qu'il soit rigoureux. Voilà. Il trouve une ouverture pour mettre l'adversaire au sol. Et ensuite, qu'il joue sur le wake-up game. C'est là qu'on va pouvoir trouver vraiment la force du personnage. Au niveau des phases de relevé de pas trop close. Donc là, Happy presse bien, il a vraiment été très rigoureux. Ouais. Belle punition. Kessona qui presse, il a voulu mettre ses gros coups, à savoir 6-6-B et B plus K. Mais Happy est resté rigoureux, il a fait des petits coups à 1, 3 kicks qui lui ont permis de passer par-dessus les coups de Kessona. Oh, bloqué. Bah bien sûr. Ouais. Et punition qui va faire très mal. Voilà, Kessona qui a largement le dessus dans ce round. Donc pour Happy maintenant, il faut mettre au sol, hein, il n'a pas tellement le choix.
Voilà, et pressé derrière. Et peut-être là on a un mur ou un vide derrière. Oh, bébé, quand il s'est baissé, il va le regretter, il aurait pu faire plus que ça, Kessona. Tentative de bas point, 2 à plus 2, un lot. C'est victoire de Kay dans ce round. 2 rounds à 1 pour Apis. Chop, déchopé. Il step, il n'a pas réussi à punir. Punition de lot de Kessona. Il presse derrière avec son petit kick, tentative de chop. Il s'est bien baissé à pied, il n'a pas pu finir. Encore le kick de Kessona. Ah, il a close guard le premier, malheureusement, il n'a pas le deuxième. Et Kessona qui a largement l'avantage du chop, ça va faire wall. Et de toute façon, il avait tombé derrière, ça n'aurait pas suffi. Voilà, 2 rounds à 2. Yoshimitsu qui va devoir utiliser ses barres dans ce dernier round. 6-6B trouvé par Kessona, la barre est chargée instantanément. Suivi d'une chop moitié de barre, Kessona qui a largement l'avantage. Allez, chop trouvé par Happy. Il faut presser derrière, il faut pas se rater. Encore une chop, il revient Happy, il revient, il faut presser encore. En haut, oui, malheureusement, c'est bien gardé. Ensuite, il y a le troisième chop qui passe. Troisième chop en B, effectivement. Et là, c'est bien bloqué. Ah là là. Et ça tue, Kessona s'est baissé sur le high, il punit. C'est pas terminé, pas attention. Ouh. Oh. Et non, bon. Il a fait un lot. Kessona a bien bloqué, il a bien anticipé. Victoire de Kessona. 3-2, c'est très très tendu. C'est très très tendu entre les deux. On reste, nous dit Happy. Donc, Happy a toutes ses chances là. Il est vraiment il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il faut qu'il reste prudent et rigoureux. Voilà. Kessona, il va presser. Oh, il a réussi à backdash le 4 kick de Yoshimitsu. Il a pu finir ensuite. Ah, suite bébé. Il n'a pas voulu respecter les priorités, notre ami Happy. Et ça va peut-être lui coûter cher. On est en punition, c'est bien joué. B, ouh, il y a eu un kick bizarre. Alors je sais pas ce qu'a voulu faire Happy en dernier. Ça m'a semblé être une balayette. Pas sûr que ce soit le bon choix pour terminer. Chop, B6A, 1B. Joli backdash de Kessona qui lui permet de punir le whiff de bas point de Happy. 3B, CE, punition. Pressing à suivre. 6-6B, il va pouvoir presser derrière encore une fois. Largement l'avantage pour Kessona dans ce match. La seule solution pour Happy, ce serait de trouver un ring out, mais il est bien loin. Et malheureusement, il n'y en aura pas. 2 rounds à 0 pour Kessona qui prend le dessus, hein, on le voit. Malgré les bas, là, c'est quand même Kessona qui est vraiment devant. Il prend en plus un tech trap, notre ami Happy derrière. Pressing à suivre, il faut vraiment qu'il y aille maintenant. Aïe aïe aïe, j'ai Non, ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Vraiment, Kessona est très très rigoureux sur sa relevée. Ouais. Très souvent les bons choix et il se permet effectivement de faire une fin. Oui, il peut. 6, 6, hein. Là, c'est très large domination de Kessona sur Happy. Happy, déjà, ouais, c'est psychologiquement difficile. Voilà, il faut, il faut se remettre. Change, Happy, tu devrais prendre ton temps là, réfléchis. Parce que c'est pas du tout bien engagé. 2 matchs à 0 pour Kessona. Happy qui prend le temps de se reconcentrer. Et qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait, à ce qu'il n'a pas fait. Et qu'il s'adapte au jeu de Kessona. Troisième match entre les deux joueurs. Bien joué. Just Guard, tu ne veux rien du tout. Un kick. Follow-up. Il y a un follow-up, dit-il. Voilà. Mais le follow-up n'est pas arrivé. Et donc tu aurais pu visuellement confirmer et puis. Et notre ami Happy qui a trouvé une ouverture, mais là par contre, ça s'annonce quand même très difficile. Ouais. 3-1. Et Kessona qui mène, qui mène bien son affaire, il faut le dire, là, il est quand même très très serein. Effectivement. Il fait quasiment tous les bons choix. Ah. Il esquive très très bien tous les pressings de Happy. C'est ça. Donc il a vraiment il a l'ascendant. Il va trouver beaucoup de punitions de high. Hein. Ouais. Il se baisse bien notre ami Kessona sur les chops, sur les connaît bien. Il connaît bien son sujet. Il se baisse au bon moment, il punit et souvent ça lui donne l'ascendant décisif. Quelques bons backdash également bien sentis. Oui. Il sait à quel moment il doit reculer. Ouais, hein, ouais, il est... ouais. Je
sont des phases bien rodées. Très bien. Ouais. 6D. Tentative de Happy qui va échouer. Pas de punition. Aïe 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 aïe. Avec le wall derrière. Il va. Ah non, mais c'est fini. Mais c'est ouais. Bon, on va bien jouer. Bien joué, bien joué. Bien joué. Kezona aura eu l'ascendant. De bout en bout. De bout en bout dans ce match. Il a complètement dominé son sujet. Il passe donc à l'étape suivante. Alors. Très bien, donc. On m'informe qu'il va y avoir une pub et qu'après ça va être Street Fighter. Alors moi je vous donne des informations pêle-mêle, hein, tel ouais, que voilà, le soir. C'est en live. Hein. Paf, pas les aléas je du n'en sais pas plus que ça. J'ai une oreillette tout à fait. Oui, qui oui, est ici, oui. Attention. C'est haute technologie mon ami. Ah oui, oui. Donc une page de publicité. Alors je ne sais pas si on va vous vendre du saucisson ou quoi ou machin. Voilà. C'est pas à vous. je ne vois rien. On ne sait pas. Et nous, on va passer notre place, je pense, au commentateur. Sans doute, hein, de parce Street, que moi, hein, Street Fighter, parce que oui, voilà, on va vraiment plus rien avoir à dire pour le coup. Donc, on doit envoyer la pub. C'est nous qui faisons ça? Non, je ne pense pas. Et maintenant, c'est la pub. Wouh!